Eh bien salut tout le monde, c'est Jean-Pierre. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 16, si je ne m'abuse, de Impact Flux. Ça fait un moment que j'ai pas tourné et que j'ai pas mis d'épisode, vous l'aurez remarqué, parce que j'étais occupé à faire d'autres choses. Je vous avoue qu'on a tourné du Sky Hills et puis que j'ai fait un break parce que c'était un peu... Là je tenais plus trop. Hein, il y avait beaucoup de... Comment vous expliquer? C'était assez soutenu comme rythme. Donc j'ai fait un break. Bon, de toutes les façons, j'aurai un grand break. Mais en fait, j'ai fait un break avant de tourner pas mal d'épisodes. Puisque vous ne savez peut-être pas, vous aurez un vlog là-dessus. Mais je vais partir en semaine. Donc il faut que je prévoie des vidéos. Mais du coup, il va falloir que je tourne et donc ils me font un break. Donc la dernière fois c'était quitté sur du Botania où j'en avais vraiment chié, c'est le cas de le dire, avec le mana. Et j'ai donc, vu que j'ai pas tourné, j'ai joué mais j'ai pas tourné, j'ai donc optimisé des trucs. Alors notamment il y avait cette fleur là que j'ai faite. Alors ça bouffe du charcoal et en fait c'est comme un four. Mais ça cuit, en gros, ça va cuire le charcoal pour faire du mana. Et ça produit pas mal. Hein. Ensuite, il y avait... J'ai fait des hydro-anjas, je sais pas trop comment on dit, qui produisent pas mal. Et puis j'avais ces plantes-là qu'on avait gagnées l'autre jour. Je me suis renseigné et en fait, elles mangent les arbres, enfin les feuilles d'arbres. Et ça marchait bien. Donc je pense que un de ces quatre, bon là, organisme dans cet épisode... Mais quand j'aurai de quoi faire, je ferai une usine à arbres avec ça en fait qui mange et le bois sera récolté. Bon, bref, ça sera bien. Comme ça, le bois on le fera en charcoal, donc ça pourra faire une grande ferme. Enfin, ça c'est après. Donc aujourd'hui, oui, on attaque mécanisme. Donc j'ai crafté ces deux trucs très facile. Hein. E-générateur, on n'en parle pas, c'est très simple à crafter, et puis un métallurgique infuseur. Pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'on doit faire des electric chests. Electric chest. Vous voyez, c'est du style, et le style dans Tinker Construct, je sais plus comment on fait ça. Comment on fait du style, c'est vrai ça? Je sais plus trop parce que on gagne un câble. Bon, en fait on va pouvoir commencer. Déjà on peut faire ça, donc c'est de la redstone avec un oscillum. Donc ça on peut faire, hein. On va en faire un peu d'avance. Donc vous voyez que j'ai fait un trou ici. Bon, c'est un parce qu'on n'a pas d'autre source d'énergie. Donc pour le moment ça sera comme ça. Il nous faut de la redstone. Là. Normalement ça marche toujours comme ça. Hein. Ça marche toujours comme ça. Bon, après si je veux faire des upgrades on les fera, mais... Voilà, on a ça. Ensuite il faut quoi? Il faut deux coffres. Il me semble qu'on avait ça. Deux coffres. Ah oui, non, je les ai utilisés. Voilà. On va les mettre dans la crafting station, comme j'aime bien dire. Ensuite, il en faut deux, hein. Il faut faire encore deux coffres. Voilà, il faut encore du coup un truc comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait du mécanisme, mais je l'aime bien ce mode, il est cool. Ça descend. Voilà. Et ensuite, c'est que du... Il y a un verre.
cette vitre. Non. Du coup, ça, on en a un deuxième. Alors, je sais plus à quoi ça consiste ces electrical chests. Mais, ouais. Alors, le style, comment on fait du style? Attends, ah oui, je crois que ça va. J'avais, l'autre fois, ils avaient montré. C'est avec de cette poudre. Cette poudre, ouais. C'est de l'enrichir. Ah oui, là. D'accord, ouais. Donc, c'est simple, en fait. Il en faut 10. Si je ne m'abuse. C'est ça, 10. Donc, il faut 20 charbons. Il me semble. Ça marche comme ça. Ou pas, hein, mais bon. Autant qu'on en prenne plein. Avec du fer, il n'en faut que 10. Voilà. On va mettre 2 déjà. En fait, on fait du l'enrichissement machin truc. On en a 40. Ça en bouffe combien? Ah, ça en bouffe 10. C'est bien 10. C'est celui-là. Voilà. Donc en fait, avec ça, on va pouvoir faire la fameuse poudre et la cuire. Donc du coup, on aura assez. Souvenez-vous, c'est cette quête-là dans Know Enough Things. Donc, voilà. Bon, ça, j'avais dit que je le ferais, mais je l'ai pas fait finalement. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus passé mon temps à faire le mana qu'autre chose. Hein. J'ai laissé tourner le jeu pour avoir du mana. J'ai fait complètement autre chose parce que c'était pas intéressant. Puis moi, au moins, je pouvais faire d'autres trucs. Le problème, c'est que du coup, je pouvais pas jouer à Minecraft pendant ce temps-là parce que lui me bouffait. Mais c'est pas grave. Alors certains vont me dire, ouais, t'as d'autres moyens. Ouais, mais moi, c'est... Pour le moment, c'est le seul moyen que je connaisse pour faire du style. Notamment j'avais fait un mode pack perso avec quelques copains et ouais c'est comme ça que je le faisais et puis j'avais pas ce mode Tinker Construct, je l'avais pas parce qu'en fait je l'avais ajouté après et ça provoquait des crashs et des bugs, pas de solo mais du serveur, c'est sur une map déjà existante. Bon, à vrai dire, on y va. Ça va être long. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire pendant ce temps-là. On va pouvoir faire les barrels, tiens. Faut une Oak Axe Lab. Pourquoi faire ça? Bon, aujourd'hui, on fait d'autres quêtes que Botania, parce que je vous avoue que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment saoulé. Et j'ai plus d'Oak. Ça, j'avais jamais fait gaffe. Mais c'est vrai que... Non. L'Oak, c'est un truc que je récolte pas. C'est quelque chose que vous pensez pas forcément au bois. Bon, après avec l'usine automatique à bois. Parce après j'aimerais vraiment faire un truc pour alimenter le mana. On fera un truc automatique, on verra. Alors normalement on est assez. Ah, c'est pas là-dedans qu'il fallait aller. Donc, du coup, on a des slabs. Hop, ça c'est bon. Crafting. Better barrel. Comment on fait les better barrel? Better barrel, c'est un coffre début. D'accord, ça c'est easy. Easy, c'est vite fait parce que merci. On va faire un coffre avec ça et cela. Parfait. Ah, il en faut 4! Oh, mais ils sont vraiment casse-pieds. On fait certainement plus qu'il en faut. Ah non, j'ai juste assez. Voilà, avec ça. Ça et ça comme ça. Bim.
Voilà, on a notre nos better barrels. Donc, pendant ça, ça a eu le temps de se terminer. On va faire cuire ça maintenant. Encore deux semaines. Donc, normalement, il est content. Pick one. Non. Un bête barrel hammer. C'est quoi un barrel hammer? Et un B-Space Turning Fork. On va prendre un barrel hammer. Le coffre. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Storage upgrade. 3 x 9 x 27 x 81. D'accord. Il faut un dolly et un diamant de dolly. Fou. Pick one. Il y a que des diamants de dolly, mais il faut pick one. Là on a quoi? Alors faut... Oh bah oui, bah, j'aurais pas dû. Alors là on attaque le barrel hein, comme d'hab. Alors là faut aller trouver une skystone. Alors il me semble que la... Il y a... On avait une boussole que j'ai posée. J'ai posé une boussole. Mais je sais plus où. Où est-ce que j'avais foutu? Elle est là. Ça détecte le météorite en fait. Il faut qu'on y aille miner une météorite pour la skystone. Et après on commence à Plaid. Et ce serait bien qu'on commence à Plaid. On n'aura certainement pas le temps dans cet épisode. Donc, je vais laisser ça. Pardon, de côté. Hop. Normalement, on va avoir assez. Voilà, nickel. Du coup, on a plein de trucs. Alors, Better Barrel, je vous avoue, je m'en sers très peu. C'est quelque chose que je me sers pas. C'est vrai. J'aime pas. Je les aime pas trop les barrels. Vous avez beaucoup de stockage, mais ça, non, franchement non. Voilà, on va pouvoir crafter ça. Voilà, electrical chest. Là, on peut pas les stack. Puis moi, j'ai perdu ça. Hop, vous m'excuserez si vous entendez le téléphone. Donc, du coup, crafting tusk, une strong box et une ardennen strong box. Strong box. Mince. Je vais le jeu. Strong box. Et une ardennen. Comment on fait une strong box? C'est un coffre avec du tin. C'est easy. Et l'ardennen, c'est quoi? C'est une strongbox avec de l'invar. Et comment on fait de l'invar? Induction smelter, ferrous et iron. Est-ce qu'on a du ferrous? Ferrous. Je crois pas qu'on ait du ferrous. Hein. Frozen. On n'a pas de ferrous. On peut savoir comment on fait du ferrous. L'invar, ouais, c'est un truc chiant dans... De toute façon, c'est du ferrous. Comment on fait le ferrous? Ah. Induction smelter. D'accord. Et comment on fait cette poudre? On va pas pouvoir le faire, hein. On va pas de ferrous or, alors que j'aille le miner encore. Ça marche comment ça? Ah oui, ça a besoin d'électricité, me semble. 7 passwords. D'accord, oui, il faut des mots de passe. Bon, c'est pas des trucs super utiles, surtout en solo. Et par vestable. Ah bah oui, ça faut une clé. De... Bon, c'est pas grave, on va laisser là. Donc nous on était, donc ça on va laisser tomber du coup. On va faire ça, le dolly machin truc. Alors faut faire un dolly, et puis de toute façon on se laissera après. Dolly, comment on craft un dolly? C'est bon, c'est facile. Faut du bois. Hein. Je pense que le diamant, c'est quoi du diamant? D'accord, c'est facile.
C'est vraiment simple pour le coup. Il faudra 3 diamants. Et du fer. Voilà. Easy money, hein. Voilà, vraiment j'ai les deux. C'est bon. Consume steak. Enfin, spawner. Oh, vous êtes sérieux? Enfin, spawner, est-ce qu'on a... Je les jetais à chaque fois, les spawners, non? Ouais, je les gardais pas, hein. Donc, du coup, j'irai chercher ça en off, parce que le spawner... Voilà, donc ça, on verra après. Storage upgrade. Storage upgrade x3. Storage. Alors, c'est des storage upgrade. Mais des storage upgrade, on les fait avec un better barrel. D'accord. Piston. Le piston, c'est le truc que... On se demande pourquoi on utilise ça. Mais ça, on le fera la prochaine fois parce qu'on est à la fin de... on est dans le temps d'épisode. Ah oui, bah voilà. En tout cas, je sais qu'on peut les déplacer. Alors du coup, on va se laisser là. Si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, ou des infos sur des mods, n'hésitez pas à me les donner. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne suivent pas cette série. C'est dommage parce que en fait je pensais que ça vous plairait plus que ça. Mais vous voulez du même créateur, mais comme je l'ai dit dans les commentaires et sur Twitter, je ne peux pas les tourner, les épisodes d'un créateur. Parce que il est un peu buggé en fait, celui de l'1.8. Et j'ai pas envie de vous proposer quelque chose qui va changer dans très peu de temps. C'est ce qui me dérange en fait. Ouais, mais il y a beaucoup de bugs. Je préfère attendre. Donc c'est-à-dire à mon avis le retour de mes vacances. Pour cela, vous aurez beaucoup de cette série, ça c'est sûr. Du Skyhaze 3, ça c'est sûr aussi. Puisqu'on on en a déjà tourné pas mal d'épisodes, alors je vous dis. Et puis après, j'aimerais bien terminer Beetle Noir. Ça fait très 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 longtemps. Mais ça serait bien que je termine. Voilà. Donc je vais vous laisser ici. Moi, je vais aller ranger tout ça. Moi, je suis vraiment pas amusé à faire tout ce truc là. En fait, Botania commence à vraiment me casser les pieds parce que... Ah oui, si. Ouais, si on peut terminer sur quelque chose, hein, parce que vous vous souvenez qu'il fallait 5 manastiles, 9 pardon, et que nos amis, ils nous ont manqué un. On va en chercher un, et puis on va se cesser là. J'aimerais bien vraiment avoir beaucoup plus de mana que ce qu'il y en a. On va prendre beaucoup de fer là-haut, parce que chaque fois on va faire des allers-retours. Si ça vient... Sauf les graines. Pas les creepers, je vois les graines. Hop. Voilà. Hop. Donc ouais, c'est quelque chose que je reprocherais à Botania, c'est le mana, quoi. C'est le truc le plus galère à faire. Bien. Ça ressemble pas tout. Voilà. Maintenant on va valider cette quête. Manual Summit. Faire un helmet. Oh, on va faire une armure en mana. Merde. Ah, il les consume. Oh, le bâtard. Du coup, c'est 5. Voilà. En fait, j'aimerais juste terminer cette quête avant de se quitter. Quand même. Parce que je vous dis au revoir, mais en fait, non. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Une mana steel pickaxe et... Une mana steel chestplate, un bloc de mana steel. Alors moi je dis, le plus rentable, c'est de prendre le bloc. Vous voulez crafter ça, le bloc vous pouvez crafter ça et ça coûte que 3. Moi je dis ça. Oh là, non, on ouvre des nouveaux trucs, ça c'est moins bien ça.
Puis la prochaine fois, je pense qu'on repartira sur Botania. Parce qu'on est coincé à cause du truc. On va mettre ça du coup. Et puis voilà. Moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Des conseils je prends. Elle fait combien de dégâts? 6. 8,5. C'est nul. Ouais. Et puis bah n'hésitez pas donc à me donner des conseils. Vous savez que je prends toujours. Mais bon. Il y en a qui regardaient les premiers épisodes, mais je crois que vous avez lâché ou pas. Mais ça, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui me suivent, donc je continuerai. Puis qui sait que peut-être que quand vous verrez pas longtemps et puis que ça vous plaît, et puis que voilà. Enfin, peut-être qu'au fait je l'ai fait, mais vous regardez pas dans l'immédiat, mais peut-être qu'après oui. Enfin bref, c'est pas grave. Je suis un petit peu déçu que vous le regardiez pas, mais je vais pas vous forcer la main. C'est vrai que c'est votre volonté, hein, comme je le disais souvent. C'est à vous de décider, pas à moi. Donc vous regardez, c'est bien, vous regardez pas, bah, c'est votre choix. Hein. Moi, je continue. Parce que cette série, c'est, on va dire, la série que j'aime bien. Ma série en ce moment, que j'aime bien, c'est celle-ci. Parce que il y a beaucoup de choses à faire. C'est une série qui va être longue. Donc voilà. Et puis après, une fois clôturée cette série, vous aurez la série modée avec les... Elle sera beaucoup plus courte parce que d'après ce que j'ai recensé, je vais avoir 3-4 modes. Donc bon, ça me laisse beaucoup de choses. Peut-être que ces modes-là sont énormes. Mais on sait pas. Je verrai bien. Je verrai bien. De toute façon, ça c'est quelque chose que je pourrais pas éviter. Enfin bref. Bon, j'ai fini mon blabla parce que ça va faire 5-10 minutes que je dois vous laisser, puis je vous laisse pas. Donc je vous dis à très vite dans de prochains épisodes. Allez, tchuss!